Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo haul, courrier, voilà. Pendant que ma vidéo de la cinquième page de l'album est en train de se charger. Voilà, donc celle-là vous l'aurez demain. Donc voilà, j'ai fait une petite commande à la fourmi créative. Bon, j'ai pas pris grand chose, hein. J'ai juste pris des papiers, des feuilles de scrap et deux petits embellissements pour faire mon projet. Alors je vais vous montrer. Alors voilà, c'est miel et cannelle, c'est la collection miel et cannelle de chez Toga, bien sûr. Enfin bien sûr non, mais voilà, si vous le dites. Donc je l'ai trouvée super super mignonne, et voilà Fifi qui vient vous dire bonjour, qui dormait bien sûr dans son panier, hein. Alors je vais vous montrer ce kit. Hop là, désolé, je fais du bruit. Un bijou. Oh, on fait des bijoux à sa maman. Donc voilà. Donc ça, bon, c'est la page, hein, que je viens de vous montrer. Donc miel et cannelle. Et voilà les pages. Donc il y en a, il y a six feuilles, oui. Voilà. Donc la première, voilà, toute mignonne avec ses petits renards. Derrière, comme ceci. Là, les arbres. J'adore les couleurs, elles sont vraiment très belles. Là, les feuilles. Ici, encore des renards, mais c'est pas les mêmes. Et le verso. Là, nous avons celle-ci. Avec en verso, et comme d'habitude, hein, chez Toga, il y a toujours d'un côté la bande en bas que l'on peut récupérer. Ça, c'est ce que j'aime bien chez Toga. Ensuite, celle-ci, oups là, celle-ci avec tous les renards, pardon Fifi, voilà. Assieds-toi ma puce. Et celle-ci. Et la dernière, donc ce sont comme du bois, et derrière toutes les alors des Project Life, on va dire, voilà, que l'on peut découper. Et je trouve tout mignon, mignon, mignon. Ensuite, donc dans la même collection, j'ai pris les stickers. Voilà. Alors, dedans, il y a combien de stickers? Il y en a 76. Alors, je ne sais pas si on les voit tous, hein, s'il y a deux feuilles ou plusieurs. On va regarder. Non, il n'y a que deux feuilles. Donc, c'est bon, c'est ça. Alors, voilà, un côté et l'autre côté. Voilà, ils sont tout mignons aussi. J'adore ces deux petits renards là, trop chou. Et j'ai pris des rubans qui vont avec. Donc c'est toujours Toga. Voilà, j'aime bien parce que les couleurs sont pas trop criardes, c'est juste ce qu'il faut, bah, pour l'automne. Donc il y a 6 rubans de 1 mètre chacun. Voilà. Alors, je vais vous dire les prix directement. Alors, les rubans, c'est 4,95 €. Les stickers, c'est 2,85 €. Et le... Je vais vous remontrer la page. Voilà. Et donc, le kit, voilà, miel et cannelle. Le kit, donc de 6 pages, 6,95 €. Voilà. Donc ça, c'était pour la fourmi créative.
Ensuite, je suis repassée ce samedi à Cultura parce que je commence à tomber en panne de papier pour le grand album. Donc j'étais recherchée du pollen, du papier pollen noir. Voilà. Donc moi je le prends en 210 grammes. Vous voyez, 210 grammes, donc c'est des feuilles A4 hein, bien sûr. Et dedans il y en a 25. Et j'ai payé 7,99 €. J'ai repris également un bloc de cabinet de curiosité, mais c'est des blocs 15-20. Voilà. donc là, j'ai plus le prix en tête, c'est 5,49 €, je crois. Voilà. Donc là, je vous l'ai déjà montré, hein, puisque pour l'album, je vous avais déjà montré les feuilles qu'il y avait dedans. Donc voilà, j'en ai repris un. Et j'en ai profité pour reprendre un autre toga uni. Voilà, celui-là. Là, j'en ai encore, mais bon, celui-là, je l'utilise assez, donc j'aime bien en avoir. Voilà. Et à Cultura, alors, si Fifi veut bien me laisser, là, ça va être compliqué de vous les montrer, mais voilà, j'ai repris deux grandes feuilles. Bouge pas, Fifi. Voilà. Vous voyez, là, vous n'arrivez pas à les voir en grand, hein. Deux grandes feuilles, alors je cherche la dimension, alors c'est du 270 grammes et en dimension, je vais vous dire, je prends ma grande règle, bouche les filles, donc là 50, sur 50. Oups là, je fais tout tomber. Voilà, donc ça j'en ai pris deux. Et les feuilles comme ça, c'est 1,30 € pièce. Voilà. Donc ça c'est pour un projet que j'ai. Pour faire un échange avec une amie de Facebook et de YouTube. Donc voilà. Ensuite, alors, ça. Ça c'est une amie de Facebook qui fait ça. Alors, je vous mettrai le lien de sa page en barre d'infos pour si vous voulez regarder ce qu'elle fait. Hop là. Attends. Voilà. Donc, ça va être pas facile avec Fifi de vous montrer. Voilà, vous voyez. C'est des cabochons en verre. Donc, elle les colore. Voilà. Vous voyez. Il est super beau. Vous montrer d'abord les grands. Voilà. Alors je ne saurais plus vous dire quel prix je les ai payés. Je suis désolée. Mais je vous dis, allez sur sa page, puis n'hésitez pas à lui en commander ou voir ce qu'elle fait d'autre. Voilà. Celui-là, il est super beau aussi. Fifi, assieds-toi, ma bébé. Après, il y a des gens, ils vont pour dire que tu es saoulante. Oui, j'ai des gens qui me mettent des commentaires. Oh, votre chat est saoulant. Ben, moi, je m'en fous. Ah oui, nous, on s'en fout. On s'en fout des gens comme ça. Oui, voilà. Donc, voilà, une plus petite. Là, une jaune. J'aime bien, c'est les reflets qu'il y a dedans. Ça fait super beau. Et deux petites. Alors, j'espère que vous allez bien les voir. Voilà. Noir avec des paillettes. Et la deuxième est pareille. Voilà. Donc ça, c'est... Je vous dis, une amie de Facebook qui l'a fait, Emmanuel. Donc, je vais vous mettre en barre d'infos le lien de sa page Facebook pour que vous puissiez aller voir ce qu'elle fait. Donc pour mes petits achats, bah c'est tout, oui, je pense, j'ai rien oublié, non. Ensuite, donc j'ai reçu du courrier, voilà. Alors, une amie, Maya, s'appelle Isabelle, voilà, on s'envoie des choses toutes les deux. Donc là, elle m'a envoyé des mini-enveloppes. Qu'elle a fait avec, je crois que c'est avec un dies, voilà, donc j'ai plus qu'à les, voyez, à les faire, hein. Hop, je plie, alors
comme ça, voilà. Je vais y arriver avec mes gros doigts. Voilà, ça fait une petite enveloppe comme ça. Donc là, elle m'en a envoyé un de plusieurs couleurs. C'est bien, ça va me permettre de mettre sur mes pages de scrap, mes albums, tout ça. Elle m'en a mis une plus grande. Voilà. Ici, je ne sais plus. Ah oui, les tamponnages. Parce qu'elle sait que j'ai pas pu aller à Action. Je suis toujours punie pour aller à Action pour l'instant. Et justement, la dépanneuse vient de venir chercher ma voiture. Bon, lui dit que c'est pas, ça doit pas être grave normalement. Ça devrait être un problème de filtre d'essence qui serait sale. En espérant que c'est pas la pompe à essence, la pompe ouais, essence qui est en panne, parce que là ça coûterait beaucoup plus cher. Donc on va croiser les doigts en espérant que c'est pas ça. Donc elle m'a fait des tampons sur le thème de Noël, avec les tampons d'Action. Voilà, petit bonhomme de neige. Donc je vais pouvoir les colorer, en mettre sur mes cartes. Donc voilà. Donc ça, c'est tous les tampons. Et elle m'avait fait une deuxième enveloppe. Et tu croches. Alors, ici. Alors là, elle m'avait envoyé bah pareil les. Alors c'est rigolo parce que moi je lui en ai envoyé aussi. Vous voyez, c'est les petites boîtes que l'on fait chez Action. Voilà. Là, une découpe d'Eyes. Je la trouve trop mignonne. Pour faire un encadrement, ça va être super. Des feuilles. Alors, je crois que c'est Action qu'elle m'avait dit. Voilà. Ils sont vraiment super beaux aussi. Là, avec les constellations. On va pouvoir faire de jolies choses avec. Là, c'est tout des petites flèches. Ensuite, elle m'a envoyé un kit de papier magique. Donc, j'ai jamais fait. Donc, bah, je vais en rien faire. Bon, ça, c'est pas compliqué. Hein. Donc, je vais m'amuser à faire ça. Faire des petits porte-clés. Voilà. Je vous montrerai quand je les aurai fait. Donc, c'est juste. Bah, on les décalque, donc il y a les dessins, voilà, on les reproduit sur la feuille de papier, de plastique, on les colore et on découpe bien sûr et on met au four. Voilà, donc il faut préchauffer le four à 150 degrés, puis mettre son dessin sur une feuille de papier sulfurisé. Le plastique se déforme dans tous les sens, puis épaissit et réduit jusqu'à 7 fois pour retrouver sa forme normale. Voilà. Donc on va essayer, ça va être rigolo. Et elle m'a mis des petites créations qu'elle a faites. Donc là, c'est, elle les a fait au crayon pastel, au crayon aquarelle, pardon. Voilà. Donc, des jolies fleurs. Et celle-ci. J'aime beaucoup. Et elle m'a fait des petites créations. Voilà. Alors, elle a fait des cartes. Voilà. Celle-ci. Donc, elle aime bien faire du killing. Et donc, bah, voilà. Donc, ça, c'est la carte qu'elle m'a fait. Bon, il y a un petit mot dedans. Hein. Ça, c'est à moi le petit mot. Et ici, ça, j'adore aussi. Alors, ouais, ça doit être dans ce sens-là, je me trompe pas, non. Voilà, les petits corsets. Et dedans, elle a mis un marque-page qu'elle a fait, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc à l'intérieur, je
vais l'ouvrir pour vous montrer. Je vais pas enlever tout le ruban, mais voilà, voyez. Voilà, donc elle fait une petite poche là pour y glisser le aidez-moi le marque-page. Voilà, donc ça c'est les petites choses qui vont aller sur mon bureau. Voilà, donc ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai rien reçu d'autre, non. Là j'attends encore AliExpress. Ils sont pas pressés en ce moment. En même temps sur AliExpress, du coup je me suis commandé, là par contre j'ai vu que le lendemain de ma commande il avait déjà envoyé, donc je devrais l'avoir rapidement, un pied pour ma caméra. Donc c'est un pied qui peut monter jusqu'à 1m20 ou 1m50, je ne sais plus. Enfin, je vous le montrerai quand j'aurai reçu. Et je l'ai payé 8,50 €. Voilà. J'avais été voir à Auchan. À Auchan, il fallait 40 euros, minimum 40 € pour avoir un pied de caméra. Non, je n'avais pas envie. Bon, surtout que la caméra que j'ai, c'est une caméra pas chère du tout. Donc voilà. On verra par la suite. Si le pied fonctionne bien, moi, je garderai celui-là. Et si ça va pas trop bien, bon, je verrai quand je changerai de caméra pour en reprendre un bon. Mais bon, pour l'instant, ça ira comme ça. Donc là, aujourd'hui, j'ai terminé la page 5 de l'album. Donc, comme je vous ai dit, je suis en train de vous monter la vidéo. Donc là, elle est en train de charger sur le logiciel. Il me reste à vous mettre la voix off et la musique. Et donc, ce soir, ça va être trop juste. Mais pour demain, c'est sûr que vous aurez la vidéo. Ensuite, j'ai une vidéo à vous faire parce que là, je suis en train de faire des échanges. Donc là, ça va pas être des tutos. Hein. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, j'ai des cartes à faire. J'ai une pocket letter. Mon échange à faire avec ce que j'ai acheté à la fourmi créative. Donc voilà, j'ai plusieurs petites choses à finir. Et puis après, on attaquera la page 6 de l'album. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai une vidéo à vous faire. La vidéo Fimo. Voilà, avec le numéro 3. Donc voilà. Fifi vous fait des gros bisous, des grosses léchouilles. Et puis, elle dit qu'à ceux qui ne l'aiment pas, elle s'en fout. Voilà. Ah oui. Ah oui, tu t'en fous de ceux qui t'aiment pas sur YouTube. C'est des méchants. Ah oui. Ah mon bébé. Voilà. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Fifi vous fait des grosses léchouilles. Et on vous dit toutes les deux à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.